Le jour où Norbert de Paris va arrêter la sape au Congo, il n'y aura plus la gaieté. C'est moi qui donne la lumière car la sape a une âme. Et l'âme, c'est Norbert de Paris. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Donc, le mois prochain, je suis en Californie. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Avec Econ. Je suis là. 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 Je Dans ces pélagres, il y a trop de temps, on a moins parce qu'on a vu que. Et c'est mon essai. Tant que tu es là, je vais me dire que je vais me dire que Quand il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. 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 Il y a un Donc, je n'attends pas Sassou pour vivre. Hein? Donc, pour ceux qui attendent Sassou pour que vous allez bien, non. Moi, je n'attends pas Sassou pour vivre, pour faire ma vie. Hein? Là, je tape à quête. Hein? Là, je tape à quête. Ici, je tape Prada. Je te comprends. Donc, kaka wa quête, Prada. Je te comprends. Nord, bon, fumo, no, quoi, ça, beaucoup frappe, na frappe, tala. Comment, non, comment? Je te comprends. Action, tout le monde va combattre Mikolo Bess. Action Zate, Batoazo, Taba Brazzaville, Bazo, Yakabata, Kéate, Marambozate, Sponani, Namoni, Lali Nabino, Je vais pas me voiler la face. Rosset n'a jamais été combattant sur la place de Paris. Il n'a jamais été combattant. Donc, s'il veut profiter sur la situation, non, jamais. Ben mon cachet n'a pas perdu sa deux balles. Ben notre carnet de santé ça où? Parce que problème c'est na où ce cerveau. Parce que même semaine à n'importe quoi t'engole. Mais là, quand on va ça AVC. Là, je tape Lupin Crocodile au Bercy, le plus beau mon cachet du monde. La montre Nani à GG, plus de 1000 et quelques euros. Mikolo comme Bomiko benga benga. Ou Aristide, Olingos la députée, toi n'as besoin de qui députée. Tata, on a quand ça dit que, il m'a géré que Paris, mais moi je vous dis, n'a reprouvé Bino. Et ce que je dis, je le fais. Je le héros. Cravate Prada, lunettes Prada, montre cher, toujours. Ben Moukacho, quoi. Ah, quoi, on va faire un thé, on va la traîner, mêler. Oh, tala vous êtes des gamins, ça me sape m'norba viriwo ka benwako. Bolongo kuna di boila nga ba jeune bina mike mike, ba petit policier. Bo benga ka norba, j'ai pas besoin d'être ministre. J'ai pas besoin. Wow.
Est-ce que vous êtes chaud? Oui. Je n'ai pas l'impression d'entendre les enfants chauds. Ok. So, je vais parler à... Hein. Mon français il est un peu tordu. Ok. Donc, je vous demande de m'excuser. Je vais parler l'anglais et français en même temps. So, do we have any English speaking people here? Yes! La Kenyans, give la copie. Donnez la main, voilà. Maintenant, est-ce qu'il y a des gens qui parlent l'ari en ce moment? Oui! Les l'ari sont où? C'est tout le monde. Les humains sont où? Alors, si vous êtes humain, je veux que vous dites je suis humain. Je suis humain. Non, that was weak, ok? Lorsque vous parlez, vous devez parler avec beaucoup d'énergie. So when you speak, I want to speak with a lot of energy, ok? So, encore, plus fois, je suis humain, loud, on three. One, two, three, go! Je suis humain! Ah! Je vais demander à mon frère, Norma here, si vous entendez. Norma, est-ce que tu les as entendus? Non, pas du tout. Marc, est-ce que tu les as entendus? Ils n'ont rien entendu. Donc on va faire pour une dernière fois, ok? Tu sais que nous sommes à l'hôtel en ce moment, il y a beaucoup de blancs qui dorment là-bas en haut. I don't know if you're going to people that's sleeping up there. Don't worry about it, ok? We're all cool, ok? Maintenant, l'énergie, il est contagieux. Ce que moi je veux faire, c'est quoi? Ce qu'on va faire ensemble. Ceux qui sont à l'hôtel avant de dormir, on va les réveiller parce qu'aujourd'hui, c'est le réveil du guerrier. Est-ce que c'est bon? Oui! Are you sure? Oui! Non. Are you sure? Yeah! Now we're talking. Ok, on three, we're gonna say, je suis humain. So on three, we're gonna say, I am a human being. Ok, now, on l'arrive, bout tout ça, bout tout est là, mais nos baklanjina. Même si tu es une femme, hein, nos baklanjina. C'est bon? Oui. On three, on trois. Respirez d'abord. Here we go, on three. One, two, three. Applaudissez. Ok. C'est un honneur de me retrouver parmi vous tous ici. Je sais que la plupart d'entre vous m'avez seulement vu sur Facebook. Some of you guys just watch me on Facebook. You ask yourself every day, is this guy real? Je te pose la question, est-ce que ce type-là est vraiment réel? Ok. Mais écoutez, c'est vrai que nous sommes dans les réseaux sociaux en ce moment. Le monde est virtuel. L'histoire. Mais à tout Seigneur, tout honneur, je vais commencer par le remercier et dire ce que je pense personnellement de son parcours. Donc d'abord, merci. J'ai vu que tu avais tous les talents, mais tu as caché un talent, c'est celui de musicien et grand compositeur. Je vais te dire pourquoi. Dans l'histoire de la musique, le musicien, un peu comme Mozart et autres, ce sont des gens qui rassemblent des notes. Aussi discordantes soient-elles, ce sont des gens qui rassemblent des notes. Mais ils rassemblent les notes pour qu'il y ait une harmonie. Et ce soir, tu as rassemblé beaucoup de notes. Dans cette salle, une jeunesse dynamique. Une salle pleine de personnes sympathiques de toutes les couleurs. Et moi, tu m'as fait rencontrer quelqu'un que j'apprécie beaucoup, Norma, de Paris, qui n'est plus à présenter, qui est une star. C'est quelqu'un qui doit parler certainement de son parcours, mais il faut déjà dire que c'est quelqu'un qui a toute l'admiration et parce que lui aussi, il fait l'honneur et le bonheur des Congolais. C'est une fierté pour nous. Alors, je ne peux pas non plus parler du rêve sans dire des choses intéressantes que tu as dites ici, notamment la référence à papa qui est ici, que je salue. Je suis au garde-vous, mon colonel. Et nous sommes tous, quelque part, les fils d'un vieux rêve que nous poursuivons. Obama a écrit le rêve de mon père. Tu viens des États-Unis, tu dois mieux connaître que moi.
Et tu sais aussi que un autre Américain qui devient pour nous un repère avait dit, et j'ai fait un rêve, Martin Luther King. J'aurais pu être un pasteur. J'aurais dit, au lieu de dire au commencement était le verbe, j'aurais pu dire au commencement était le rêve. Et le rêve, on le réalise comme tu l'as fait là. Bravo et félicitations. Chacun de nous dans la vie a eu à un moment donné de sa vie un rêve. Quand bien même il ne s'est pas réalisé, mais au moins on l'a gardé en soi. Et quand on a trébuché, on s'est dit on avance. Il y a un vieux philosophe latin, Sénèque, qui disait « Il n'y a de vent favorable que pour celui qui connaît son port. » Lorsqu'on rêve, lorsqu'on sait où est-ce qu'on veut arriver, tous les vents vous sont favorables. Ce soir, je l'ai bien dit, à tout honneur, non, à tout Seigneur, tout honneur, c'est ce que tu as fait, c'était ton parcours. Tu as rêvé, un rêve d'enfance, tu as eu la bénédiction des anciens, parce que je sens que tu as en toi cette fibre africaine. Tu as parlé de ta grand-mère, tu as parlé de papa qui est là, Dieu merci. Malgré son état de santé, il est venu encore un peu pour voir son dernier rêve. Il peut maintenant partir et puis dire enfin, je laisse la terre en sachant que je laisserai des hommes qui vont affronter la vie. Il y a deux choses que je partage avec toi dans mon rêve à moi. J'avais 11 ans, mon grand-père m'avait dit, avant de mourir, je rentrais dans le petit séminaire de Luango. Je savais que je ne le reverrais plus. Il m'a dit, tu rencontreras des hommes comme toi. À la limite, tu croiseras le fer avec d'autres hommes. Et depuis que je me suis lancé en politique, je mène un combat qui est difficile. Et je rencontre des hommes qui ne sont toujours pas catholiques. Mais je me dis, ça fait partie des règles du jeu et du combat qui étaient déjà prévues par les anciens. Un peu comme toi, la grand-mère qui disait, vas-y. Un rêve, il est toujours accompagné par les prières, par les convictions personnelles. Quand on y croit, quand on veut aller plus loin, forcément, on aboutit et forcément, on y arrive. Alors ce soir, tu me fais réaliser un rêve. C'est le rêve de voir dans cette salle les jeunes. Je te remercie parce que tu me rajeunis. Tu vois une génération qui est là, qui est attentive, qui écoute, qui a besoin de repères aussi, comme toi tu en as eu, et qui a besoin aussi qu'on les aide. Et tout à l'heure dans la salle, tu n'as fait que ça. Rêver, oser, risquer, ce sont tous des verbes. Et le verbe demande l'action. Et ce qu'on va faire aujourd'hui là, pendant 2 minutes, vous allez écrire sur votre papier c'est quoi votre rêve, ok? Et quand est-ce que vous allez accomplir ce rêve-là? Je vous donne 2 minutes, asseyez-vous et parlez à la personne à côté de vous. Je vais passer là pour voir que tout le monde parle parce que aujourd'hui, je suis l'enseignant et le surveillant en même temps. Je veux que vous appreniez à communiquer parce que c'est ça le réveil. Le réveil, il faut communiquer. Alors, votre temps commence maintenant. Vous avez 2 minutes de parler à la personne à côté de vous. Je veux que vous disiez c'est quoi votre rêve et quand est-ce que vous allez la peine. Time is now. Est dans son milieu. Mais c'est un bureaucrate, je vais être dans son milieu. Alors, je veux que vous regardiez les 5 doigts de la main. Regardez votre main. Est-ce que regardez, je veux tout le monde là. Look at your hands. Là, dis-moi en ce moment, est-ce que tous les doigts là se ressemblent? Alors, tous ces doigts là, ils ont un pouvoir.
Et le pouvoir, c'est d'attraper quelque chose. Vous ne saurez pas l'importance du pouce ou de l'index quand il est parti. Nous avons besoin des artistes, des politiciens, des mamans, des papas, des personnes qui nettoient la rue. On a besoin de tout le monde. Et c'est important que vous appréciez les gens lorsqu'ils sont vivants ou ce qu'ils font, parce qu'ils contribuent à ces sociétés. Ne dis pas quelqu'un, après qu'il soit mort, qu'il était bon. Ah, si tu dis ça, tu caillards, je veux me réveiller. Si tu veux donner des compliments, dis-moi les compliments de mon vivant. N'attends pas, quand je suis cadavre, pour me dire ça. Non. Essayons de dire aux gens à côté de nous, lorsqu'ils font quelque chose de bon, arrêtons la jalousie, parce que je sais que la jalousie est une peur. Et c'est une peur qu'on peut maîtriser nous-mêmes, parce que cette peur-là, c'est nous-mêmes qui l'avons créée. Ok? Next. Alors, Nadia, ne regarde pas derrière toi, Nadia. Ok? Nadia, je veux que tu mettes les mains dans tes épaules, armpits. Ok? Les amis, je veux que tu sois garde, donc descendez un peu. Nadia, Alors l'homme, où sont les dégâts qui les cardiaques qui étaient là, là? Voilà. Alors, on va comment je t'appelle? Sacré. Sacré, ok, sacré, est-ce que tu es prêt à risquer? Ok, mets-toi debout là, mon frère, regarde là debout. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Voilà. Mets tes mains dans les épaules, here we go. En trois. Tu vas tomber, en trois, ok? En trois, tu vas tomber. Est-ce que tu as peur? Le calme, le calme, le calme, le calme, le calme, le calme. Ok? Est-ce que tu as peur? Un peu. Il a raison d'avoir peur. Et c'est quoi ton nom encore? Sacré. Sacré, est-ce que tu es prêt à tomber? Je suis prêt. Allez, vas-y, tombe. Voilà. Nadia et Sacré, venez, s'il te plaît. Alors, je vais vous poser une question qui est très importante. Je vais commencer avec toi. Lorsque tu dis que tu as fait peur, qu'est-ce que tu as ressenti à la fin? Alors, Nadia, tu as ressenti... un immense bonheur au final, une libération. Une libération. Est-ce que quelqu'un s'est dit que la première place? Une libération. Et Nadia? J'ai ressenti de la confiance. Parce que j'ai été soutenue par les autres et j'ai fait confiance. Donc la confiance. Voilà. Les amis, entre ici le point A et le point B, ok, le plus important de cette courbe-là, ça s'appelle le processus. Processus, ok. Le processus est plus important que la finale. Ce trajet-là, et pendant ce trajet, vous avez peur du fait d'un homme, de faire part, de connaître l'inconnu. Oui, merci pour la parole. J'allais te poser une question. Je voudrais que vous disiez votre nom first. Oui. Okay. State your name et posez votre question. Mon nom est Kanga Bontaba. Ok, oui. Vas-y. Je voulais savoir en combien de temps ça t'a pris pour atteindre ton objectif que tu t'es fixé. Ça m'a pris 20 ans. Mon objectif, c'était de poursuivre le rêve de mon père. Il a construit une oasis en Afrique, au Congo. Et aujourd'hui, j'ai construit mon propre oasis. Ça m'a pris 20 ans. Mais le temps... c'est pas important, parce que le rêve va jamais s'arrêter. Oui, j'ai construit une oasis, mais maintenant, j'ai un autre rêve.
Mon rêve, c'est de faire rêver d'autres personnes à accomplir aussi leurs rêves. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Merci à toi, Tikaïm Samou, de m'avoir invité. Et je dis bonjour la salle. Bonjour. Non, c'est toi là. Moi, je suis dans le show. Bonjour la salle. Bonjour. Voilà, pour vous, je fais très bien. Comme vous voyez vous-même, là, on parle de oser. Mais je vous ai apporté un beau cadeau. Et vous allez être surpris. Mais je pense même pas que monsieur Tikaïm Samou à penser à ça. Je vous ai apporté un beau cadeau. Vous voyez comment c'est emballé, hein? C'est du lourd. Aïe, aïe, aïe. Non, on ne va pas dire tout ça. C'est une taloche. Ça vous surprend pas? Et c'est pas fini. Il y a un deuxième cadeau. Après, on va rentrer dans le vif du sujet. Par contre, celui-là, il est très important. Il est même dans un sac en crocodile. Je vous ai apporté un niveau. Et vous voyez très bien que ça sert. Donc ça peut vous dire simplement que la vie aussi c'est comme ça. La taloche vous sert à faire des finitions. Pour avoir une belle finition, quand on fait des enduits sur les ravalements, il faut cet outil-là. Et le niveau, il sert d'aplomb. Soit il vous monte sur votre vie par un mur et en talus, ou soit un mur est d'aplomb, ou soit il est en surplomb. Ces outils-là sont même la logique de la vie. Et c'est à partir de ces deux outils que je me suis inspiré pour risquer, parce que j'avais déjà fait un nom dans le milieu africain, dans le showbiz, en ce qui concerne la SAP. Et la sable, c'est le vêtement. Toute personne, quelle qu'il soit, quel que soit son niveau, avant de faire quoi que ce soit, il pense à s'habiller. Peu importe la valeur de ce qu'il met sur lui. Et Norbert de Paris a été contacté par une grande chaîne de télévision, M6. Ils m'ont dit, est-ce que tu peux participer à un concours d'habillement chez Christina Cordula? Moi, j'ai dit, oula, c'est chaud là. Moi, j'ai déjà fait mon petit parcours, j'ai un an. Et si je perds le concours, ils vont commencer à dire, oh, vas-y, ferme ta gueule, t'as perdu là-bas. Et qu'est-ce que je fais? J'ai osé. J'ai osé, je suis allé, j'ai dit, je veux le faire. Et je l'ai fait. Et je me suis très vite aperçu que les gens que j'avais en face de moi, c'était des poids mouches. Et c'est là où je me suis rendu compte. Je me suis rendu compte que j'étais un poids lourd. Donc moi, je l'ai agrémenté. J'agrémente la sape. La sape, c'est très important. Ça veut dire que je crée même des parodies. Quand je dis cette chaussure est là en crocodile. Alors, le crocodile, c'est les espèces protégées aujourd'hui. D'ailleurs, je demande pardon à Brigitte Bardot. L'animal a souffert. Ligoté. Bâillonné. Les yeux pendés pour éviter le stress. Fabriquer cette chaussure. Voilà pourquoi je demande pardon, Brigitte, pardon, parce qu'il est là pour protéger l'animal. Alors, donc, cela fait de peur avec la tatose. Quand je peux faire comme ça, ça veut dire que. Oh, j'aura tout ça. Et je crée aussi des poèmes pour agrémenter l'habit, parce que l'habit a une âme. L'habit a une âme. C'est pour ça que je dis par intérieur de Estama, claro que l'agua. Il m'a claro que l'agua n'a pas de serre. Les filets, quand je me rends aussi beau, je les file bel et bien. Là, je tape au Bercy. Pourquoi? Parce que l'habillement, c'est très important. Faites très, très attention à ça. Parce qu'on identifie l'homme par rapport à son habillement. Donc, pensez à ça. C'est mon message. Et j'ai aussi un grand message pour mes compatriotes congolais. Parce qu'aujourd'hui, on traverse des périodes très difficiles. Et il y a une pensée pour eux. Je remercie toutes les personnes qui sont ici. Évitons d'être jaloux envers l'autre, comme l'a dit mon frère Tikaïm Samou. Aidons les autres. Soyons main dans la main. Rayons la jalousie. Et tout le monde n'est pas obligé d'être bureaucrate. Tout le monde n'est pas obligé d'être directeur.
Toute personne a une place sur cette terre. Il faut des maçons, il faut des couturiers, il faut des sportifs, il faut des politiciens. Et tout ça réuni, ça donne la force et ça permet de déplacer les montagnes. Voilà mes propos. Je vous remercie. Give it up, give it up, give it up, give it up, give it up. Les amis. Tu vas nous faire. Non, madame, prenez les photos, s'il vous plaît. Prenez. Tu vas nous faire. Quoi? Comment on inverse là? C'est bon? Allez-y, prenez les photos, il n'y a pas de souci. On a fait attention parce qu'on va commencer l'interview. On va commencer l'interview là. C'est bon, madame? Ouais. Allez-y, 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 allez-y. Prenez les photos, prenez. Allez. Mettez-vous c'est là, bon c'est bon. C'est bon? Allez-y, allez-y, allez-y. Merci. Donne, ma chérie, donne-moi mon portable. C'est bon, Kim? C'est bon, merci. Merci beaucoup. Hein. Merci. Merci. Bon. Merci. Nous, ouais, c'est parti. C'est, hein. Moi, ouais. C'est moi qui vous remercie. Vous en prie. Ouais. Brazza Paris Info. Tout le monde est d'accord. Votre site de référence www.brazzaparisinfo. Fimbona, Fimbo, Gaz, Nagaz. L'une émission de la mission Vérité pour les Polé. Nous avons le plaisir de recevoir Norba de Paris. Norba de Paris, c'est quelqu'un qu'on ne peut plus présenter. C'est le roi des sapeurs africains. Norba de Paris, n'a moins que dimension et mati. N'est-ce pas le baka, tu continueras à haute altitude, stratosphère, ionosphère. Au Tigma Sola Sap, comme une ratte à conférence payante. Pour la moto, il y a 50 euros. Norba, c'est Crézanine. Non, merci beaucoup déjà. Le coup là, yo a réussi de mon bébé. Si vous êtes déjà un grand journaliste, pour avoir pu monter pas ma pomme, pas y était, bah bien que caillou. Donc place à réussir de ma solution, ça l'aura au carré. Donc la personne nous a monté là-bas, petit n'anga bah yorobi. Ah, la personne monté na staff tu es c'est fawana. Donc n'engue zalaka comme solo. Boy biki nord de Paris. Et ça niveau y a bah parrain tender de est à ma claro que l'agua. C'est à dire que Norba est clair comme l'eau de source, plus clair que l'eau de source. S'il n'y a pas, donc c'est dit que ça n'existe pas. Ça veut dire que Norba y a un tasso qu'on va faire. Donc ça n'engue on a réussi. Na zalaka toujours ngai. Et singone singo. Donc c'est dans le parrain tender de est à ma claro que l'agua. Il ma claro que l'agua non point de sœur. Le Firenze quand je me rends aussi beau, je le fais bel et bien là, je tape au Bercy. Je progresse grâce à Sinéret dans le potier de métal et je me parfume mon parabole comme le Sakuru Yango. Chico wa chico, c'est Bettina Womo, c'est Sénégui débarque dans cette principale appelée Gozo Mozo Biero. Là, vous trouverez cette personne qui vous corrigera toutes les fautes de la boute et de l'élégance appelée Norba de Paris en Prada. Niveau. Norba de Paris, le roi du shopping. Conférence n'est pas à la grande hôtel parisien. Narrata grand hôtel parisien. Après prochaine conférence Rosala, puis Los Angeles, Las Vegas, Montréal, Rosala. Non, mois prochain, bah calater tout ça bête à Californie pour éviter que Norba puisse tout ça battre tout bête à voyager. Trop bise, ah ils allent loin comme miquette. Pour les conférences, c'est ce qu'on fait pour que la Molière. Il y a ceux qui n'ont quatre grands journalistes qui ont posé la question en français. Les journalistes ont posé la question en lingala mawatro. Où y a basi mandako. Il faut English play. Il y a bas polémique à Masoko. Il y a bas nini. Oh bah English t'es out. Bas ça perd à pamba pamba. Ah ouais bas zate. Bas bengi sinaniao. Au moment où nous sommes conduits à Bangui, donc le mois prochain nous sommes bêta Californie. Beaucoup mona bandou le pokuna grand featuring ezoya avec Econ. Chikaya misamu Norba de Paris Econ. Tous sommes bêta Californie. Bas kalati bas surprise ezoya. Bas kanga kamino kona Bangui bas bana miki bas ouvé. Je le comprends. Norba mfumo no kwa sabaku frappe na frappe tela. Nkoma na nkoma. Je le comprends. Mais on coule meta mona. Là je tape à quête. Là je tape à quête. Ici je tape Prada. Je le comprends. Donc Kakawakete, Prada. Hein? Là, je tape Lupin Crocodile au Bercy. Le plus beau mot cassé du monde. La montre Nani à GG. Plus de 1000 et quelques euros. Bitari Prada. Nkoma nkoma. Nkoutou ya ya koulou. Ya ya tamona. Ya lancelle ya croco.
Tala, vous êtes des gamins. Ça me sape minorba viriwo kabenwako. Bolongo kuna di boyla ngaba jeune bina mike mike ba petit policier. Bo benga ka norba, j'ai pas besoin d'être ministre. J'ai pas besoin. Norba est bien complexe et saté. Tozo frappendi. Norba de Paris, la puissance norbatique. Na sepelare a trop temps na mona ro parce que na yebi que et sengone se tango de tele marabe ba bangé mba ba tele vi ba ngé ba tele vi. Non, wana zali os zali nouvelle génération. Tozo na chrono plazette. Na kata neyi. Mboka ba Sarkozy ba norba ba koti ba fer to nya ti to paloli pra to zo la musa kutu ba to bazan hotel me bazo ganga la bisote fozala na monike nini ka gwa nini ka na bi saki bango turo na kulia mutu loko na bi saki norba sana gwa buset fasi muntu ni dia non wan kaka chiri ko prendre muntu ni dia tala ngendo ko na wana lu tele fo ba yela nga ba carnet de santé na bango. Prada, lunettes Prada, montre, cher, toujours. Ben Moukacha, quoi. Ah, quoi, va faire un thé, ben on va la tannerie mêlée. Ben, va faire 100 euros. Ben, va faire 70 euros. 100 euros, coûte thé, cravate dans la pambe, l'équipe, mon bimba, costume, ben Moukacha. Ah, ben le rota, à faire rien. Norme de Paris, ben on va faire un thé. D'abord, coûte déjà, faut pas soit journaliste, le gola yotuna, bango déjà. Vous avez déjà, tuna, norme, tuna, bango, t'es pour pas zate. C'est comme ça, bala quoi bena. Norme de Paris au moni dans ce pays, il y a trop bon temps, tu écoutes la toujours au foisonnement. Bah 3 ans, c'est la première photo. Sikoyo, l'ilobasu comme ma petite nabiso, au baranacha bax. L'ilobasuka, norme de Paris, dans ce bête à Californie, biso ba foya foya. Quand il kota kam pepe mena ndoko ba kota ba kerenchaya kanga. Yanzala. Aye kerenchaya kanga ban. Tamuna bidiri bien ndoko, bun tale kune fosso onga kusangi. Bantu ba ndako tu. Naraba prevoya ngolo. Je représente ce que tu as une Molière, tu as Molière. Tu as la français, tu as une autre zone de la English, bien. Non, English, c'est Zali, tu me coulis de coulis de Congo, niveau. Niveau, c'est le niveau. Côté de côté. On s'en va de là. Tala. Tchik, yaka. Tant que tu écoutes, tu as toujours un bébé. Ozali Masolo, il y a un leader. Il y a un leader. Député a gagné combien? A gagné 3000 euros. Il y a un moment où il y a un week-end. Donc, il y a besoin de faire des choses. Alors, un sapeur doit être complet partout. Il y a quelqu'un. Et puis là, c'était une conférence. Il faut savoir ce que c'est la SAP. Ici, tu ne peux pas venir faire une conférence et t'habiller n'importe comment avec des couleurs flashy qui brûlent les yeux. Tu comprends? Ici, il faut s'habiller terne. Tu ne choques pas. Là, je suis en gris vert Mamfunda. Norme de Paris. En gris vert Mamfunda, mélangé au violet. Après, coucou, c'est kanga bleu. Il faut y avoir un mariage à couleur. Le gris se marie avec le bleu dur. Tu comprends? La couleur est ketchup pochette. Couleur, la couleur, ça peut m'enseigner. Kapawako, c'est des pommes, je t'avais dit. C'est de comprendre. Le jour où Norba de Paris va arrêter la SAP au Congo, il n'y aura plus la gaieté. C'est moi qui donne la lumière car la SAP a une âme. Et l'âme, c'est Norba de Paris. S'il n'est pas arrivé dans ta maison parce que le postier n'a pas posté le courrier de la SAP. Et le postier, c'est Norba. Donc, si tu ne négocies pas chez Norba, tu n'apprendras jamais à saper. À ce moment, j'ai le premier roi de shopping de France, 4e, 5e puissance mondiale, c'est Norba. Bon, ben, on va tout. Vous avez un problème, 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 vous avez un problème,
la rationalité ko kababa lingi ko kabate ba lingi tout pour eux bozala nango biso to sito zoa déjà biso to bato sito zoa chez pas quel bato pouvoir ah et talinga te nga complexe za la rater na banga nga mutute po na zoa déjà. Je suis déjà vie. Je suis comme député, comme un bon, on va prendre un lati à Bango. On s'en va. Donc on a bombardé Congo limo na carte. Mais na forme kaka, mais na pire esprit, tu respectes ka poto linga mboka na biso, bango nde fo ba sola ka peka bia. C'est norme de par omoni, bango po ba zwa luyalo, fo ba négocier pa norme, ngam na kanga pouvoir wana. Mais ça norme. Est-ce que donc va c'est là. Tu mettes sur luyalo, C'est là. Quelque chose ça peut mega na politique ça. C'est là. Norme. Je veux savoir, c'est dû à quoi? Nous avons une place qui est énorme. Na beti bango fimbo abilamba bakokite bakena braza bakeko luka lupango nanga bakansinga na beta kama solo pa mapomo na somba lupango na tonga parce que beta gil solo lupango norba eh na lupango norba ben mukasha il faut ko tabiso la la ulamuki ben mukasha jura ko sala lupango ko sala lupango ngana chikisap yande kanaka bana lupango ko yandi wana ntirleka kwa kadiri yele bakiyo mtamega shi papa wemba oh. Papa Wemba, notre père qui m'a fumé, vieux wana na bêtisa papa Wemba maboko. Le jour où le groupe yaba Congolais et Bundana ba Kinoa, na Aubervilliers, Norba Mouta Sova, ba image et ça, vidéo et ça. Vous comprenez, papa Wemba lela petit nae, to développa. Bon, papa Wemba pona nina bwaga ba misusta bwaga Norba. Papa Wemba bwaga Norba, yemba Norba. Bon, respecte à la paix, dans son vivant. Vous avez un mouti sigo, na so peta sete, na so bisaga, kofio le midanga fa keba kwa kwa. Ngevranga ya, zoba wa. Bon, affaire de furie, c'est pas. De Paris, c'était le mot de la fin. Quand on entend tout le monde, toujours foisonnement, c'est un plaisir. Jeune maître. Il y a pas eu une conférence. Tout solo là, ma solo, jeune maître. Je vous promets quelque chose, mais Zoya, Bakalamingte. Comme Tata, on a Kansa qui est géré que Paris, mais moi je vous dis, n'a reprouvé Bino. Et ce que je dis, je le fais, je le réalise. Donc Bakalamingte, pour ressentir. N'a comme là, Kota Zawa, n'a Kota Ake Braza, n'a comme là, en tant qu'un homme. Je ne l'avais pas publié sur Internet. N'a comme là, il sait qui je suis. Donc il doit sortir de son silence pour me reprendre. Jeune maître, Oyobash. Combattant ainsi que si qui va tomber ambassade Bangui et Théo Batouazon de Kosa Bakamana Brazzaville. Jeune maître Sikoyo, action tout le monde va combattre Mikolo Bess, action Zate, Batouazon ou Taba Brazzaville, Bazoya Kabatak et Athé, Marambozate, Sponanini, Namoni ou Lali Nabino. Non, Toko Lalate, mais il ne faut pas comprendre. Hein? Il ne faut pas comprendre que. Il y a des combattants et des combattants. Il ne faut pas comprendre qu'il y a quel combattant. Le combattant va être belété. Rostel n'est pas, je vais le dire parce que je ne vais pas me voiler la face. Rostel n'a jamais été combattant sur la place de Paris. Il n'a jamais été combattant. Donc, s'il veut profiter sur la situation, non, jamais. Je vous dis. Toujours ça monte au calamité. Mais moi, tu as besoin de ça au bananine parce que l'action, le but est la liste à poison. Moi, je n'ai pas une liste à poison. Toi, tu as beaucoup fatigué. Liste à poison, ça sonne. Mais voilà, ma faux liste. Ça sonne. Na rubuma monter au salon listé. Moi, j'attends. Depuis tout banan, ma solon, babouma répété. Toujours dit là. Mais surprise, Zoyara. Na rubuma surprise, on va te nous quitter.
Appel anonyme. Écoute, pire petit d'Anaï, merci à trop, merci, courage toujours. Merci, merci. Et puis, Mikolo, Rende Tolobaki, combattant en Zala, ou Bazoke de Brazzaville, ou Tamar, voiture à Pola, voiture à 300 euros, Renault Espace, Nak, Nabas Coach. Moi, je ne m'en revois pas. Combien Azosa, la vidéo, non. Alors, oui, mais je l'ai hanté, il a parlé de toi et tout pour minimiser les combattants, de pour parler. Non, moi j'ai vu personnellement. C'est qui? J'ai, je ne sais pas, un jeune là. Oh non, bah, combattant tout, bah, Joachim Bongo. Mais je vous dis, ici je vais vous citer. Ceux qui voulaient barater, on va vous citer. Comment va combattant? On a eu que dans la place de Paris. Et bon, depuis Braza, on a mis tout. Moi je vous le cite. Il y a moi, Harold. Il y a Donald, empérateur. Il y a Bram Mandela, les braves. Il y a Gelor Poabou. Il y a Fay. Il va combattant au balobi que ça là qu'un combat au bimina les terrains. Mais il y a plusieurs combattants. Je vous dis que Bazan avant va combattanté. C'est moi qui le dis et je défie les ex-combattants. Dans le bien où je défie les ex-combattants. Je vous ai cité les combattants qui sont qui peuvent faire des choses sur la place de Paris. Donc voilà. Jeune maître, dans le bien ça va combattant. Il attend la 4-4 à 6K, 0 km. On va dévorer. Il n'y a pas d'exercice. Attends, ma voiture est pour là, 300 euros à Renoir Gimbambala. On vient d'assister à Chikaya Misamu. Hein, donc, moi, personnellement, je rêve, j'ose dans ma vie. Donc, je n'attends pas Sassou pour vivre. Hein, donc, pour ceux qui attendent Sassou, pour que vous allez bien, non. Moi, je n'attends pas Sassou pour vivre, pour faire ma vie. J'ai une femme. Qu'on construit une vie, donc je n'attends pas ça sous. Donc je fais de moi un homme et Naro Somba O Nalingi. Voilà. Merci à toi. Benga Eric, on a chapeau Eric Ayaka. Eric. Benga Eric.